Bon. Bien. On va plus dire bonjour, on va dire bonsoir déjà, parce que ça commence à parler un petit peu de l'après-midi. Je commence par remercier si Fathi pour l'invitation, aussi ma collègue Leïla Issaoui de l'Université virtuelle. Je me présente, Mohamed Ali Nahali, enseignant universitaire de l'Université virtuelle de Tunis. Je vais commencer par relater un petit peu mon expérience avec la pédagogie. J'ai été recruté exactement en 1999. Je n'ai jamais eu de formation pédagogique, comme tout le monde réellement. Et depuis un certain moment, j'ai commencé à constater que j'ai des défaillances pédagogiques. Et donc, du coup, je me suis allé chercher pourquoi il y a ces défaillances et j'ai essayé un petit peu de faire des études jusqu'à ce que j'ai fait des études universitaires en pédagogie. Et depuis, je suis ingénieur en pédagogie. Et j'ai fait plusieurs missions, en particulier dans le cadre de l'IFIC, aussi l'AEF, l'EFADEM, presque toutes les universités tunisiennes, ou bien la majorité, j'ai collaboré avec eux pour faire des formations en pédagogie, des formations en technologie éducative, particulièrement autour de l'utilisation de la plateforme Moodle, et j'en passe. Franchement, lorsque aujourd'hui on est arrivé ici à quelle heure ? 7h du matin. Et donc depuis, j'arrête pas à changer ma présentation. Pourquoi ? Réellement parce que j'ai prévu de faire un petit sommaire. Le sommaire est là, mais quand même, je l'ai chambardé. Il peut être adaptatif. Donc je suis dans l'agilité totale, même au niveau de la présentation. Donc ce sommaire, en fait, pourquoi je n'ai pas voulu faire un sommaire finalisé ? Parce qu'à chaque fois et à chaque intervenant, j'interviens au niveau de la présentation pour ajouter quelques éléments. Et depuis le matin, moi et Lily, on était en train de discuter. Elle m'a dit que notre présentation, elle devrait être appelée comme étant « Haqrad ». Haqrad par rapport, oui, mais c'est bien sûr Haqrad. Haqrad par rapport à tout ce que vous avez dit. Réellement, ce que vous avez dit nous a sollicité et m'a sollicité personnellement pour chambarder un petit peu ma présentation. Vous avez parlé des pratiques de l'enseignement. Réellement, l'enseignement à distance, c'est parce que vous avez ce qu'on a pratiqué réellement durant le Covid pour faire du synchrone. Le synchrone n'est pas de l'enseignement à distance. On parle souvent de modalités d'enseignement ou bien de modalités de formation. Sachez qu'il y a plusieurs. Et ces modalités, on commence par ce qu'on appelle le cours en classe, le présentiel, le 100% présentiel. Par la suite, il y a aussi le cours à distance, mais en mode asynchrone. Et là, on fait appel à des plateformes. Donc, la synchronisation, à ce moment-là, c'est en quelque sorte physique. Absence de présentiel physique de l'enseignant et de l'apprenant. On parle aussi du présentiel hybride. Donc là, on hybride le présentiel par le fait de faire appel à des outils technologiques. On parle aussi d'une autre forme de distanciel, c'est le distanciel hybride cette fois-ci. C'est qu'au niveau de la distanciation, je peux faire le synchrone et l'asynchrone. Donc il y a deux modalités à la fois. On parle aussi du cours distanciel synchrone, ce qu'on a fait réellement durant le Covid, ou bien majoritairement. Mais on parle aussi du comodal. Le comodal, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de faire le synchrone, le asynchrone, et présentiel et distanciel à la fois. C'est au-delà de deux modalités, d'une manière générale. Là, c'est une capture d'écran d'une réalité que j'ai vécue. En fait, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez certainement le produit, je ne vais pas appeler le produit, mais qu'il y a dedans, c'est une capture d'écran d'un cours de mon fils. À la période du Covid, il était
à la classe de la 9e année de l'école de base. Njah, heureusement. Donc, c'était un cours de mathématiques. Et l'enseignant a utilisé une technologie, mais il a gardé les pratiques. Donc, il a utilisé la technologie pour communiquer avec ses apprenants, mais il a utilisé un tableau noir avec de la craie pour transmettre l'information. Un autre exemple, c'est toujours au niveau de l'usage de la technologie. Là, vous voyez aussi, c'était la période du Covid aussi, c'était en Afrique. On utilise un tableau noir avec des enregistrements vidéo pour faire la technologie ou bien pour faire ce qu'on appelle les pratiques de l'enseignement à distance. Donc tout ça, ce n'est pas ça l'enseignement à distance. L'enseignement, réellement, ce sont des dispositifs, ça c'est sûr, des plateformes, des logiciels, des serveurs, des modèles de je ne sais pas quoi, mais aussi de la pratique. Si on ne change pas de pratique, on ne peut pas réussir l'enseignement à distance, ou bien on ne peut pas réussir l'enseignement d'une manière générale. Si on utilise un vidéoprojecteur pour faire du transmissif, et si on utilise aussi la plateforme pour faire du transmissif, c'est la même chose. Si vous allez utiliser une plateforme, ou bien vous allez changer de dispositif, vous devez changer de pédagogie. Ceci ne suffit pas, parce que vous devez avoir une stratégie. La stratégie est nécessaire. Pourquoi une stratégie ? Parce que votre établissement doit vous accompagner dans tout ça. Vous ne pouvez pas faire de l'initiative. Ce qu'on a fait en Tunisie, d'une manière générale, c'était plus ou moins des initiatives individuelles. Donc il faut avoir une stratégie pour mener à bien tout ce changement. Je vais utiliser une autre présentation. Peut-être que l'image n'est pas très lisible, mais il s'agit d'une pyramide qui retrace en fait les résultats d'une étude scientifique qui a été faite à l'université, plutôt à l'UHEC de Montréal. Ce sont des études qui relèvent en fait, ou bien qui analysent l'impact des pratiques de l'enseignement sur les apprenants. Donc vous voyez juste à la base de la pyramide, ici, vous avez de l'enseignement par les pairs. Et puis vous avez l'enseignement par la pratique. Et puis vous avez la discussion par groupe, démonstration, audiovisuel, lecture et cours magistral. Plus on monte au niveau de la pyramide, plus le degré d'acquisition de l'information diminue. C'est-à-dire, si on fait un cours magistral, il faut savoir que vos étudiants gardent simplement 5% de ce qu'ils ont acquis lors de la séance. Plus on est dans la pratique, plus on est dans l'activité, plus on aura plus de résultats, jusqu'à ce qu'on arrive à presque 90%. Là, en fait, on parle de triangle. L'Ilia déjà qu'est-elle comme choya à le triangle pédagogique. C'est une relation entre qui entre enseignants, apprenants et quoi d'autre. Donc c'est les pratiques d'une manière générale. Il y a aussi une autre triangle. C'est l'alignement pédagogique. C'est vrai que je veux faire une relation avec mes étudiants d'une manière convenable. Mais cette relation doit suivre ce qu'on appelle un alignement pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire, un alignement pédagogique ? C'est partir des objectifs pour arriver à l'évaluation. J'ai entendu parler que vous parlez de l'évaluation, comment vous évaluez, ainsi de suite. Réellement, vous n'allez pas évaluer les connaissances des apprenants. Vous allez évaluer le degré d'atteinte des objectifs. Vous allez fixer des objectifs au départ. Et vous avez toute une démarche entre l'état initial et les objectifs, et vous allez évaluer tout ça. C'est ce qu'on appelle la cohérence pédagogique. Tant qu'on parle de pédagogie, on parle aussi de Bloom. Donc la pyramide de Bloom, vous la connaissez certainement, c'est une pyramide qui classe les niveaux de connaissances. Sachez que la taxonomie de Bloom n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Mais restons avec la taxonomie de Bloom.
qui, malheureusement, plutôt heureusement, a subi plusieurs changements. Le dernier changement a été aussi cité par Lilia, c'est l'effet de l'intelligence artificielle. Juste en 2023, en septembre 2023, il y a eu une publication qui a revisité un petit peu cette pyramide. Et je vous invite, s'il vous plaît, je vais vous donner en fait cette présentation, parce qu'au niveau de cette présentation, vous allez avoir ici la pyramide. Mais vous avez à revoir et à modifier. En fait, ce sont les différents niveaux des connaissances que vous allez cibler. Par exemple, vous avez ici à la base des connaissances qui sont liées à la mémorisation. Actuellement, il n'est pas, excusez-moi mes étudiants, mais je vais parler avec vos enseignants, ne faites jamais des examens pour tester la mémorisation. Ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que c'est automatiquement le produit de l'IA. Donc, lorsque vous allez évaluer, vous devez chercher autre chose. Et là, au niveau de cette pyramide, vous allez revoir qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de vos objectifs d'apprentissage. Enfin, les objectifs d'apprentissage des apprenants. Si vous allez changer les objectifs d'apprentissage, vous allez changer le contenu de cours. Vous allez changer aussi l'évaluation. Donc, tout un changement. Maintenant, je vais revenir à la présentation du matin, avant 7 heures du matin. Donc, avant 7 heures du matin, je suis venu avec une petite définition de l'intelligence artificielle générative. Donc, je ne vais pas ramener quelque chose, vous la savez tous, donc je vais passer rapidement sur ça. Mais ce qu'il faut attirer l'attention, c'est que, à la différence des moteurs de recherche, où on peut mettre des mots-clés pour chercher, l'intelligence artificielle permet de créer. Donc là, je parle bien sûr de l'IA générative. Mais il y a aussi d'autres intelligences artificielles qui font les deux à la fois. Donc, comme le cas de Perplexity. Donc, pourquoi en fait l'intelligence artificielle est un allié pour l'enseignant? Parce que au niveau de l'intelligence artificielle, ça va bouleverser plusieurs domaines, y compris l'éducation. On a vu ça avec la taxonomie de Bloom, donc c'est tout à fait logique. L'IA aussi va servir aussi à l'apprentissage adaptatif. Ça va permettre en quelque sorte de s'adapter au comportement et au niveau de connaissance des apprenants. Les plateformes d'apprentissage actuellement, ou bien les plateformes d'enseignement, sont devenues de plus en plus adaptatives parce qu'ils répondent aux besoins des apprenants en faisant appel à l'intelligence artificielle. Mais aussi, il y a la possibilité de changer les contextes des exercices et les contextes d'évaluation d'une manière générale. Et donc, du coup, vient l'évaluation. Donc, l'évaluation d'apprentissage est aussi un domaine de l'intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle peut intervenir. Comment ? Plus particulièrement au niveau de la personnalisation. Donc on peut personnaliser les examens, on peut personnaliser les évaluations, on peut les rendre aussi automatiques, c'est de l'autonomie aussi. On peut aussi avoir des analyses des données qui peuvent nous donner... Lilia aussi a parlé du modèle ADI, donc l'analyse donnée peut être rapide et adaptative en fonction de ce qu'on a comme réflexion au niveau de l'intelligence artificielle. Et la personnalisation des feedbacks et du tutorat, bien sûr, pour répondre rapidement aux exigences des apprenants. Là, je vais prendre un cas pratique. Un cas pratique d'un enseignant qui cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'évaluation. Pour faire de l'évaluation, j'ai plusieurs possibilités. La première chose, je dois passer par l'IA générative. Pour faire quoi? Pour soit utiliser des interfaces qui offrent des services de l'IA pour générer déjà des évaluations, ou bien passer directement de l'IA vers les plateformes pour intégrer directement les résultats
de mes interactions avec l'intelligence. Il y a aussi un autre service, c'est le fait de passer directement par la plateforme, parce qu'actuellement, la plateforme Moodle, avec les nouvelles versions de plateforme, il offre carrément des extensions qui permettent de générer automatiquement des questions à partir des plateformes. Et là, il faut ajouter, bien sûr, ces extensions. Donc, pour la première démarche, c'est le fait d'intégrer avec Moodle, donc créer de l'IA et de l'intégrer avec Moodle. Il faut penser à écrire les prompts. Et l'écriture des prompts, en fait, c'est de l'ingénierie maintenant. Et d'ailleurs, c'est l'un des métiers les plus recherchés à l'échelle planétaire. C'est comment on écrit réellement les prompts. Il s'agit d'avoir des instructions, bien sûr, en langue naturelle. Et je vous ai mis ici un lien qui va vous permettre d'avoir plus d'informations. Donc, l'exemple, il faut parler du domaine. Donc, si vous allez écrire ou bien vous allez chercher des évaluations, vous allez choisir le domaine dans lequel vous allez intervenir. Par exemple, vous allez dire explicitement, vous allez ordonner l'intelligence pour donner l'information. Par exemple, en tant qu'enseignant d'économie, vous allez me donner qu'est-ce. Donc, c'est au niveau de l'écriture. Vous devez définir votre public cible. Donc, le public cible doit être défini explicitement. Par exemple, je cherche à avoir une évaluation pour le niveau licence, première année licence, en relation avec telle matière. Et plus particulièrement, vous entrez dans les détails avec des exemples. Et donc, du coup, vous allez par la suite, une fois que vous allez avoir les résultats, pouvez vérifier et avoir une vision critique par rapport aux résultats de l'IA. Si c'est fait, il faut ajouter et analyser. Donc, je passe ici. Donc là, vous allez trouver un exemple pour la façon selon laquelle on peut écrire. Il y a aussi une façon d'écrire avec l'IA. Il ne faut pas, par exemple, il faut l'ordonner. Il faut dire, par exemple, tu es enseignant en sciences économiques, donnez-moi une telle information. Il ne faut pas être dans la négation. Il faut aller dans le sens direct. Donc ça, ce sont des informations, certainement que vous les connaissez, je ne vais pas ajouter grand-chose là-dessus. Donc là, ce sont la suite de l'exemple. Je vais aller juste au niveau du prompt. Là, par exemple, j'ai fait ici un exemple de prompt que je l'utilise souvent pour générer des questions des QCM d'une manière générale ou bien d'autres formes. Ce que vous voyez encadré en jaune, ce sont les termes à changer. Donc, vous avez, par exemple, tu es un enseignant, si je peux dire, tu es un enseignant universitaire, par exemple, de macroéconomie, et tu donnes un cours à des étudiants du niveau de, par exemple, première année de licence. Durant ton cours, tu souhaites évaluer les acquis des apprenants sur, vous mettez, par exemple, la thématique, et vous continuez. Maintenant, une fois qu'on a les résultats, Normalement, les résultats qu'on devrait avoir, ce sont des QCM. Il faut les mettre sur une plateforme d'enseignement. Et à ce moment-là, la plateforme d'enseignement, en l'occurrence la plateforme Moodle, utilise un langage XML. Donc, il faut ordonner cette ChatGPT ou bien n'importe quelle autre IA générative de vous donner le code XML de ce que vous avez généré, avec un codage spécifique pour la plateforme Moodle qui donne en fait des 100% aux bonnes réponses et de moins 33% aux mauvaises réponses. Et donc du coup, vous allez avoir réellement le paramétrage d'un fichier que vous pouvez l'importer directement. Donc là, en fait, l'exemple réel de ce que j'ai fait, j'ai testé ça hier. Donc ça, c'est l'output que je peux avoir de ChatGPT. Et là, c'est le code source de XML, sachant que je ne suis pas un informaticien. Je n'ai jamais touché l'informatique, mais l'IA m'a permis d'écrire un code XML parfait qui est accepté par n'importe quelle autre plateforme. Donc, ce code, je vais le mettre sur un bloc-notes et puis je vais l'importer sur une plateforme via, bien sûr, l'interface d'importation des plateformes. Donc, ça, c'est la façon... Ça, c'est la première façon de faire, ou bien de générer, ou bien de mettre les,
les QCM sur une plateforme Moodle. La deuxième façon, c'est de faire appel à des interfaces. Il y a beaucoup d'interfaces qui permettent de générer des QCM grâce à vos contenus, c'est-à-dire grâce au cours que vous allez mettre. L'une de ces interfaces, c'est l'interface QuizWizard. Donc, je mettrai bien sûr le lien au niveau de la présentation. Donc, QuizWizard va permettre de générer des QCM à partir de plusieurs supports. Le support que je vais avoir, je vais aller directement au support. Voilà, donc on peut avoir un support sous forme de documents. Les documents pourraient être les documents PDF, les documents Word, les documents PowerPoint, que vous mettez au niveau de l'interface, ça permet directement de générer. Vous pouvez avoir aussi des documents sous forme de liens. Bien sûr, le lien doit être accessible. Vous pouvez aussi utiliser des vidéos placées sur YouTube. À partir des vidéos, vous pouvez directement tirer des QCM ou bien des évaluations. Comme vous pouvez faire appel à des podcasts, des enregistrements, même de votre cours, ça vous permet directement de ramener des QCM. Donc, une fois que vous avez le contenu, vous allez choisir la nature de l'évaluation que vous souhaitez avoir, soit sous forme de QCM, ou bien de questions ouvertes, ou bien de questions de composition, ou bien des jeux de fléchés, ou bien des cartes. Donc tout ça, c'est possible. Une fois que vous avez les questions, vous allez les vérifier, parce qu'il ne faut jamais donner confiance à l'IA. Il faut toujours vérifier les outputs qu'elle vous donne, est-ce que c'est en conformité avec votre cours ou non. Vous devez aussi vérifier le niveau, parce que ça pourrait être un examen très facile ou bien très difficile. Bien sûr, c'est en fonction de ce que vous avez comme objectif. Une fois que vous avez, bien sûr, le contenu, vous allez le mettre sur la plateforme. Donc là, en fait, ce sont les étapes à suivre que j'ai déjà donc notées d'une manière automatique. Il me reste simplement la dernière étape, c'est de faire appel directement à la plateforme Moodle. Sur la plateforme Moodle, il y a une extension qu'on peut la mettre, qui permet de générer automatiquement des QCM ou bien des supports d'évaluation automatiquement à partir de votre cours, sans faire d'effort. L'extension, c'est celle-ci, que vous devez, si vous allez l'utiliser au niveau du panneau d'administration, vous devez avoir une clé avec l'IA générative. La clé, elle est payante, donc ça, c'est, on le sait, donc vous devez incorporer la clé. Une fois que vous avez la clé, vous pouvez générer automatiquement. L'extension devient fonctionnelle à partir de votre cours, donc à partir de cet emplacement-là, et vous pouvez à chaque fois générer d'une manière infinie des évaluations. Et là, cette génération-là des évaluations pourrait ne pas être au niveau de l'évaluation sommative. Elle peut être intégrée au niveau de l'évaluation formative comme étant des exercices que les apprenants peuvent faire au fur et à mesure du cours. Donc ça, c'est l'interface. Juste, je vais terminer avec quelques limites de l'IA. C'est qu'on ne peut pas tout faire avec l'intelligence artificielle. Tout ce qui est procédure, c'est impossible de le faire, pour l'instant, du moins. Il ne s'agit pas de raisonner. Parfois, il faut faire attention au raisonnement. Il y a aussi tout ce qui est, disons, prise de risque et tout ça, ce n'est pas encore calculé au niveau de l'IA. Donc tout ça, il faut faire attention, il ne faut pas penser à faire ces propositions au niveau de l'IA. Juste une petite remarque. Il ne faut pas abuser toujours de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut savoir que plus vous utilisez l'intelligence artificielle, plus on réduit ou bien plus on augmente la pollution. Vous avez ici l'intelligence artificielle, c'est une exposition à une consommation d'eau excessive. Il faut savoir que vous avez de 5 à 50 questions, ça vous permet de consommer au moins une bouteille d'eau. C'est l'équivalent d'une bouteille d'eau. Oui, ça a été calculé. L'usage de tout ce qui est IA, ça permet de réduire la consommation d'eau planétaire, parce que c'est le réchauffement climatique. Donc, ah ben oui, parce que ce sont des serveurs. Tant qu'il y a des serveurs qui fonctionnent,
il y a toujours des consommations d'eau supplémentaires. Ah bah oui. Juste un petit cadeau. Vous avez ici un petit lien qui vous permet en fait de trouver quotidiennement presque les nouveautés qui sont en relation avec les interfaces de l'intelligence artificielle. Donc ce site, il publie presque quotidiennement dans tous les domaines les IA qui apparaissent au fur et à mesure. Il est très riche, il est classé par domaine. Pour nous, en tant qu'enseignants, il y a carrément une rubrique qui concerne les pratiques d'enseignement. Vous pouvez tout trouver en relation avec l'IA. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici deux codes, vous pouvez les scanner, bien sûr, en relation avec les interactions. Voilà, merci. Merci, Zahandali. Donc, sur...